Salut les amis, comment ça va aujourd'hui, en ce mercredi, oui, comme vous pouvez le constater, j'étais chercher deux ou trois petites caisses là, hop, mais j'en ai une là-bas, je crois déjà. Je suis en train de juste ramasser deux ou trois pommes pour que ma petite Ginette me fasse un gâteau aux pommes pour quand j'aurai fini ce soir. Or l'arbre, c'est pas moi qui l'ai mis, j'ai découvert qu'il y en avait déjà un à la ferme. Et nous, on va faire ça, hop, voilà, oups, on va ramasser ces belles pommes. Oh, si je... oh ben, il y en a que ça. Oh, ben, là, juste, oh, ouais, il y en a assez, hein. Il y en a plus sur l'arbre, non? Oh, il va en avoir assez pour faire un gâteau, hein. On va lui laisser ça devant la porte, comme ça, peut-être que ce soir, j'aurai le gâteau. En tout cas, merci, merci, merci pour tous les retours. On va lui mettre ça sur le banc. Juste retourner un petit peu comme ça, voilà, comme ça quand elle rentre de, je crois qu'elle était au magasin, elle va rentrer et puis hop, on va lui laisser ça là. Moi je vais fermer juste ça, on va laisser ses caisses ici dedans, on va juste ranger le transit, elle va me faire un joli petit gâteau, voilà, on va juste aller ranger, le mettre à l'abri. Alors, et après je vous montre ce que j'ai avancé sur la map. Allez, on va juste le mettre ici, bien pratique ce port transit. En tout cas, merci pour tous les retours et le soutien. Alors aujourd'hui mercredi, d'habitude il y a un live, bon, je sais pas, on verra jeudi ou vendredi qu'il y aura peut-être un live, je ne sais pas encore. En tout cas, merci pour les retours de soutien, vu que j'étais malade, voilà. Donc, les canards sont arrivés, les poupoules aussi. Aujourd'hui, on va pas faire grand-chose, hein. Je leur ai donné à bouffer, normalement, elles sont pas encore... Alors, normalement, je sais pas s'ils ont travaillé, les messieurs, et puis, non, il y a pas d'eux encore, hein. Non, non. Alors, pour information, hein, parce que j'ai vu des... certains qui, ben, comme mon petit fiston Ced que je salue, ainsi que toute la Farming Family, et je salue aussi également les nouveaux abonnés. C'est un stockage d'eau, ça, quand il pleut, ça remplit, hein. On peut en racheter et en placer, mais il y en a là, il y en a un peu sur la map. Donc j'ai pris les canards, tout ça. Ça, regardez, normalement, celle-là, elle s'ouvre, on peut mettre de l'eau ou... tout ce qui est fertilisant pour vider nos cuves, parce qu'autrement, si vous les videz à côté, ben, vous payez une petite amende. Hein, ça, j'ai découvert ça aussi. Les petits cochons, hein, les petits gorets tout roses, là, il y en a des noirs, il y en a des gros. Bien sûr, ben, je leur ai donné à bouffer, j'avais un big bag de bouffe. Je les ai paillés, normalement, ils m'ont commencé à me faire de la saleté, donc il faudra commencer à les... Vous voyez que le big bag est encore là. Donc je parle. Normalement tout est bon là. Il faudra que j'achète une de ces brosses pour nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, j'ai fertilisé un champ là-bas d'herbe ou préparé. J'ai commencé, vu que je me suis gouré, en tout cas merci pour les infos. Je me suis gouré dans le mélange de ma mélangeuse là. Or normalement c'est 4 fois.
Le foin, 4 fois l'ancillage et 2 fois la paille. Normalement, ça fait le mélange. Bon, après, on verra. On verra. Alors, donc, j'ai vidé la machine vu que ça faisait du fourrage et puis que j'en ai de nos vaches. Ils en ont assez. J'ai profité de le mettre pour faire du compost. Et les vavaches, on va aller voir les vavaches où elles en sont. Et vu que ça arrive 16h, quoi, c'est 16h, on va. Bah là, ils n'ont pas trop sali. On va commencer. Bah, il faudra bien aller les traire. Alors, je vais juste remettre ça. Et la nouveauté ici, c'est qu'il faut monter aussi et activer. Oui, il faut mettre le moteur en marche et activer le robot. Voilà. Maintenant, on peut sortir. Et si on va de l'autre côté, si j'arrive à passer, hein, je veux pas. On va essayer de passer par là. Hop, ah ben il y a la porte. On va passer par la porte, hein. Ça serait peut-être mieux le valaisan. Donc il faut, mais je ne sais pas si elles vont me donner beaucoup de lait. Hein. Voilà, enfin, vous restez ici dedans, hein. Vous n'allez pas sortir. Regardez. Donc il faut activer ça pour que bah, la traite se fasse. Alors je ne sais pas, vu que j'ai mis pourtant des mâles. Vous voyez qu'il y a des brins limous là-bas, tout au fond. Et normalement, ça doit être bon, il doit être fertile, tout. Et comme faire, est-ce qu'elle a quelque chose? Il me semble pas qu'elle a beaucoup de lait, celle-là. Il n'y a rien qui vient, donc j'ai pas encore de lait. Les veaux, ben, on peut pas les prendre, parce que j'ai pas de lait pour le moment. Je crois en acheter à la laiterie pour leur donner un peu au veau. Et normalement le lait c'est ici. Alors là c'est des balles hein, de paille. On peut pailler bien sûr. Il faut leur donner du lait. Mais bon, je vais arrêter cette machine vu que elle m'a pas l'air d'avoir quelque chose dans la tétine. Donc on va arrêter. Ah non, mais il faut faire ça. Ok. Alors j'ai mis en route Star, s'il vous plaît. Tu veux pas te mettre en route? Bizarre ça. On va remettre en route, essayer. Vous devez d'abord remplir le truc. Ouais. Activer. Et start. Ouais. Bah, le bouton, qu'est-ce qui m'indique que je peux pas appuyer? Il faudrait que je mette en route la machine, mais il faut que je trouve le bon bouton. Il me dit 12 sur mon panel, mais ça fonctionne pas. Alors peut-être c'est parce que j'ai pas de lait. Peut-être faire R, non? Ou L, des fois, sur le clavier. Hop, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je veux juste regarder quelque chose, les amis, ici. On va juste regarder la commande. La 12, activer l'outil à main. Ouais, d'accord. Logitech Extreme 3D. Ah, ça c'est sur le Logitech. Alors on va voir. On va voir les amis. Est-ce que j'avais mis ça sur mon joystick Logitech? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben non, les amis. Oh, quand on veut faire quelque chose de bien et puis que ça va pas, hein? Et normalement, alors je vais peut-être aller changer ça. Hop, si je regarde la commande activée là. Et si je fais ici le 12, est-ce qu'il a quelque chose d'autre là? Activer l'objet. Bah oui, c'est normalement là. C'est normalement là. Mais peut-être qu'elles n'ont pas de lait. Hein. Parce que si on regarde les animaux, normalement j'ai pas de lait. Donc automatiquement ça doit fonctionner. Je vais rien changer. Donc on va arrêter ça, les amis. Hop. On va arrêter le moteur. Ah ben il sait pourquoi il veut pas s'arrêter. Voilà. Et puis si je fais ça au début. Alors, non, non, non. Non, c'est que j'ai pas de lait. Voilà. Enfin bref, de toute façon, elles ont à manger. Donc nous, on va aller commencer à préparer pour mettre de l'eau. Je vais prendre directement. Je vais enlever ça. Préparer les serres, vu que j'ai fait du compost, on pourra faire ça. On ira acheter aussi les plants.
la prochaine fois. Mais je veux prendre le gros, quoi, le gros, le 824 que je vais bientôt changer. Comme je vous ai dit, je vais, mais bon, les moyens ne me permettent pas. On va mettre les gyros. On va prendre la cuve à eau. Normalement, est-ce qu'il y en a une qui fait plus? Elle fait 8000, puis celle-là là-bas. Faut que je regarde dans le magasin, les amis. Parce qu'autrement, on en rachète une qui est un peu plus grosse. J'ai aussi acheté la baratte, mais il faut que j'ai une remorque pour la prendre parce que je pensais la mettre dans le transit. Et 7500. Donc, ce qu'on va faire, on va se racheter une cuve comme ça qui fait 18 000. Bon, bah, on va pas faire de chichi au niveau. Non, mais je veux pas ça. Tac, black, ouais. On va l'acheter, tiens. Et on va l'aller chercher ici, au magasin. On reviendra prendre de l'eau. Et on ira au serre mettre déjà l'eau, au moins ça. De toute façon, le compost, ben, il n'est pas fait. Hein, donc, et puis bon, ben, il y a beaucoup à faire. Et il faut aller chercher justement des plantons. Comme ça, on calculera combien de palettes de plantes, de plantons. Moi, j'appelle ça des plantons, des plants. Voilà. Appelez ça comme vous voulez pour mettre au sol. Voilà. Les cartons, tout ça pour récolter. Bon, on attendra que ça se fasse. Mais ça fera du revenu vu que j'ai pu faire du compost. Quoi, j'ai fait ça en route, en tout cas. Les champs sont prêts à semer. Comme vous voyez, il fait 12 degrés, on regardera, mais normalement il m'annonce la chaleur. Alors, je vais bientôt pouvoir semer. Il faudra acheter le semoir. Ça, on l'achètera quand on fera les semis. Mais les champs, en tout cas, ils sont prêts. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai 3 champs. Alors, ils sont assez grands. On verra si on prendra peut-être en fin d'épisode d'aller prendre un plateau pour prendre cette baratte et puis déjà la mettre là-bas. Bon, de toute façon, c'est pas pressant pour le moment vu que j'ai pas encore de lait. C'est vrai qu'avec le mode saison, c'est un peu long. C'est pas quand c'est qu'ils vont commencer à se faire vu qu'elles sont pas fertiles. Donc le lait, c'est assez long pour venir. Donc, ouais, on verra ça. On verra ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Hein. N'hésitez pas, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je m'excuse un peu, je parle encore du nez, je suis encore malade. Ouais, c'est le problème, le souci. Je vais vous en parler. On me pose la question toujours si ça va, c'est gentil à vous. C'est le problème, c'est de ma maladie. Je ne peux pas prendre des médicaments comme je veux avec mes injections. Donc je dois me soigner aux petites herbes de Provence. Et bah, ça fait plus long. Hein. Vous, si vous chopez vous dire j'ai une bronchite et une sinusite en même temps. Hein. Moi, il me suffit de passer 1 heure avec une personne qui a la grippe et puis je la chope. Hein. Vu que j'ai plus beaucoup d'anticorps. Et ce qui fait que bah, vous, quand vous avez une grippe, vous allez chez le médecin et puis il va vous donner des médicaments, des antibiotiques, tout ça. Et en 3-4 jours, si tout va bien, ben vous n'avez plus rien. Eh ben, pas moi. Pas moi. Moi, il faut. Déjà, je ne peux pas prendre des médicaments comme je veux. Il me faut en tout cas 3-4 semaines. Ben, c'est multiplié par 10, hein, même voire plus. On va ouvrir le trou d'homme. Je ne sais pas si l'autre remorque va m'embêter. Oups, est-ce que je peux remplir? Voilà. Donc du temps qu'elle fait ça, on fera un mélange, mais bon pour l'instant vu que les vaches elles ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je voulais dire? On fera bien sûr du fromage, tout ça, mais bon, pour avoir du fromage, bah, il faut du lait. Bon, à la limite, je pourrais l'acheter, mais ça va me faire descendre les finances. Et, à la limite, acheter un petit peu de lait et juste pour que je puisse prendre les veaux. On verra ça peut-être dans le prochain épisode. Pour l'instant, on s'occupe un peu de ça. On mettra peut-être des vaches au pâturage, mais là, comme on l'a aussi. Hein. En attendant, je vais vous montrer les finances. J'ai fait le crédit. Hein. J'ai 560 000 de crédit. Il me reste 24 000. Donc, il faudra commencer quand même ça à rembourser. J'ai des récoltes que je peux vendre à la limite. Je garde quand même un peu pour les animaux.
au lieu d'acheter des Big Bang, mais tout le reste ici, j'ai pas regardé pour l'instant, il n'y a pas vraiment de bon prix. Donc, par contre, je veux commencer les légumes parce que vous pouvez le constater, ça se vend bien les légumes et les fruits. Donc voilà. Au niveau de la météo, donc je suis à 24 jours, j'ai mis le géo français. Hein. Je trouve qu'il se rapproche le mieux. On voit que j'aurai des températures qui devraient être montées. Hein. Faudrait voir vers un champ combien. Par contre, on a du vent qui augmente un petit peu. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave ça. Mais il faudrait que ça monte un petit peu en température parce que là il m'indique toujours zéro. Alors je ne sais pas si c'est un bug. Hein, vous savez que déjà il y a la mage. Alors tout fonctionne bien en tout cas pour le moment. Il y en a certains ben, qui avaient des soucis sur les maps, hein, des mappeurs. Puis avec la mage, ben, sur serveur ça va plus. Nous, Agri France va très bien sur serveur. Et là, pas de souci pour aller où déjà ces serres. Donc il faut. Ah mais il faudra peut-être les acheter. Hein. Est-ce que je les ai achetés les serres? Il faudra peut-être. Non. Puis elles coûtent combien? 240 000. Donc on est obligé de remonter. Parce que bah, de toute façon, avec les serres, ça redescendra. Hein, tant pis. On remboursera plus tard. Hein, bah, comme vous savez, je vous le dis souvent. On va juste emprunter pas trop. Ah, on va monter à 800 000, voilà. Et on va acheter les serres. Tac, acheter. Comme ça, c'est tout bon. Voilà. On est tout bon. Et nous, on va partir là. Et on partira là-bas. Il n'y a pas de voiture. On est tout bon. On peut y aller. Voilà. On va aller remplir l'eau un peu à toutes les serres. Et ça ira bien. Bon, bah. Comme ça se vend bien, on verra pour les fruits à la limite, faut que je regarde combien coûtent ces arbres. J'en ai un là, mais c'est juste pour une petite production que j'ai pas acheté. Hein. Il y a déjà, hein. Si vous saviez pas sur la map, il y a déjà certains trucs. Bon, je sais pas s'il y en a ailleurs, j'en ai pas vu. Faudrait que je cherche un peu, mais je le découvrirai quand je voyage à droite à gauche. Mais il y a déjà deux ou trois arbres fruitiers qui sont posés. Alors lui, il va m'embêter, on va le doubler. Donc là, bah, vous avez vu, hein, j'ai pas beaucoup de pommes hein, dans la caisse, ça fait juste le gâteau pour Ginette. En petit épisode, je sais pas, il va sortir, je l'ai tourné hein, mardi, donc il sortira dans la journée de mercredi. Ne vous inquiétez pas, je pensais faire un live, mais voilà, je suis pas encore la grande forme. On peut y aller là. On peut peut-être mettre au pâturage des vaches, celui qui est en face de la ferme. Est-ce qu'il fera plus rapidement du lait? C'est pas sûr, ça. On verra bien. Est-ce que moi je pars dans le bon endroit? Oui. Peut-être amener ici pour faire un peu. On fera aussi, ah, bah voilà. Peut-être qu'on investira d'acheter un peu des patates. Je sais pas. Je sais pas encore. Comme je vous dis, il reste 22 000. Il faudrait que j'évite de faire trop de crédit parce que après, il faut tout rembourser ça. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais on va vendre un peu des récoltes quand elles monteront. Hein, que le prix sera un peu favorable. Voilà les amis, on arrive là. Alors les serres, n'oubliez pas d'aller acheter comme je disais, les plantons. Hein. Et non, mon petit fiston cède, la base, c'est pas les oranges ou les pommes. Hein. C'est des arbres qu'il faut. Les fruits, puis il n'y a pas les oranges. Hein. Je me suis demandé si vous aviez fumé un peu la moquette. Non, non, les arbres, tu vas dans les arbres, ben voilà, classables. Alors, bon, ici, il y a un réservoir, mais il n'y a pas plus, donc automatiquement. Bon, là, c'est bon. On va faire celle-là. Donc, il y a combien? Il y en a 8. Donc, il faudra 8 plants, ouais. 8 palettes de plants. On va déjà mettre l'eau. Ça, ce sera fait et ça sera bien.
Je me réjouis de commencer ça. La cuve, ben peut-être on la laissera là ou on la ramènera à la ferme. Si jamais pour la remplir, on verra juste à la fin ce que ça m'aura pris comme eau. Après, comme je dis, hein, s'il y a la cuve là-bas, on va essayer si on peut la remplir avant. On va voir ça, les amis. Est-ce qu'on peut la remplir? Ouh, là, ça va être serré. Une petite marche arrière là. Est-ce qu'on peut la remplir ou elle se remplit seulement que quand il pleut? Et vu que là il m'annonce pas de pluie, donc automatiquement ben, elle va pas se remplir. On ira voir après le compost pour le mettre en sous-bâche. Parce qu'il faudra bien que ça passe en fermentation pour faire du compost. Voilà, regardez. Elles sont vraiment bien ces serres. Et c'est surtout l'animation aussi. Il y a encore plus que deux là. Hop. Voilà. Peut-être la prochaine fois on ira chercher les palettes de plants avec le transit là. Ou un plateau, parce que transit, si je dois en mettre 8, ça m'étonnerait que j'arrive à en mettre 8 dedans. Voilà, comme ça, bah, écoutez, on va la laisser là. Je veux voir quelque chose. Peut-être que je la ramène. Si on arrive à vider là-bas dedans ce stockage, voir si c'est que. Il se remplit que quand il pleut. J'ai plus l'habitude de reculer avec un dolly que ça. Allez, on va voir. On va voir. On va voir, c'est histoire de tester. Ça coûte rien. On versera du compost là-bas dessous. Faudra. Vous voyez qu'il y a encore des frais, hein, parce que ici, bon, je peux venir toujours avec un tracteur, avec un godet. Est-ce qu'on peut remplir ça? Non, non, vous voyez qu'on peut pas. Hein. Alors, on va laisser la cuve là, parce qu'il reste 10 000, comme ça, si jamais pour la prochaine fois, on en a là. Parce qu'acheter un petit tracteur qui travaille ici, mais je veux, je pense, mettre un. Comment ça, un petit Manitou, on verra. Allez, on va rentrer avec le tracteur là. Il faudra laver aussi. Et nous, on va se diriger. On va juste aller voir le compost, le mettre sous truc. Et là, on se quittera là, les amis. Je pense que jeudi, il y aura un nouvel épisode là. Vu que je fais pas de live en ce moment sur la plaine, les plaines valaisannes. Donc, vu que ma. Voilà, je ne pouvais pas tenir, puis ça serait pas intéressant pour vous, parce que, je vous dis, je ne pourrais pas tenir, il faudrait que je fasse des pauses, parce que, voilà. Enfin, bref, voilà. Il faut que je me remette, et puis on reviendra en live, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, je vais continuer. En ce qui concerne, arrêtez de me mettre des commentaires, c'est sympathique, tout ça. Mais de demander 40 millions de fois si AgriFrance Vetra sera sur console, non, désolé, c'est trop compliqué pour la mettre sur console, donc elle ne sera pas sur console. Et de demander la date à chaque fois, la date, si vous regardez le trailer, elle est indiquée. Hein. Alors, suivez bien la semaine prochaine le site internet du Valaisan que vous avez dans ma description de la vidéo, ainsi que les chaînes des fistons. Hein, mais sur mon site internet, il y aura, vous verrez, une petite surprise qui vous donnera encore plus d'informations. Il y aura les informations justement sur la sortie de la map. Et vous inquiétez pas, elle arrive. Soyez un peu patient, on contrôle juste. On n'a pas voulu faire ça avant parce qu'on attendait cette mage du jeu pour voir si, vu que la dernière des mages avait tout foutu en l'air, hein, du reste, en ce qui concerne aussi la Hofbermann. Là, ça, tout va bien, donc il fallait qu'on regarde ça. Il y a encore deux ou trois petites bricoles à finir. Et comme on l'a toujours dit, Pascal vous l'a dit, on veut vous donner une map qui n'aura pas de mage plus tard. Hein, donc il n'y aura pas une 3.1. Et donc il faut faire les choses en ordre si vous voulez une map propre. Voilà. Ça c'est dit, alors ne demandez pas toutes les. Chaque fois que je mets une vidéo ou bien que je sois sur un live des amis comme les fermiers en folie que je salue ou bien sur Papa Mika que je salue également.
Vous serez informé, il faut suivre. À partir de la semaine prochaine, il y aura plus d'informations concernant la date, mais il faudra suivre le site internet. Voilà. Le trailer que je vous ai sorti bah, mardi soir, même bah, aujourd'hui, hein, mais on est mercredi qui sort la vidéo sur la prairie du Valaisan. À la fin, il y a une indication de date. Alors certes, pas précise, mais il y a une indication. Voilà. Alors, je vais juste remettre ça là. Tassement. Bon, normalement, il est à 98. 98. Alors, est-ce que si je remets les planches, je peux faire ça, non? Ah non, ouais, parce que... Alors, on va vite, les amis. Bon, moi, de côté, je vais faire ça. Parce que je vais faire une vidéo trop longue. Voilà, pas grand-chose aujourd'hui. Je vous ai montré un peu. J'ai ramassé 2-3 pommes pouginettes pour le gâteau. Et on était mettre l'eau pour la prochaine fois, j'espère, avoir du compost et pouvoir commencer les serres. Allez, moi je vais vous dire, n'oubliez pas le pouce bleu, de commenter. Et puis moi je vais vous dire bah, une bonne fin de semaine. On se retrouve bah, rapidement sûrement un épisode de la prairie du Valaisan. Et moi je vais vous dire tout de bon, comme on dit chez moi. À très vite, les amis.